adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car nous sommes le temple de ton esprit. Oui, oui, de ton esprit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Car nous sommes le temple de ton esprit. Oui, oui, de ton esprit. Tu es ma lumière, tu m'éclaires pour te plaire, Yeshua. Tu es ma lumière, tu m'éclaires pour te plaire, Yeshua, Yeshua. Jésus-Christ, il mort pour vous, il mort pour nous. Si quoi là, sans aille couler, il aimait. Sans aille couler, il aimait. Créateur, le Dieu vivant qui s'appelle Elohim, le Dieu d'Israël, le Elohim vivant, manifesté en Yeshua, nommé en français Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nos péchés, qui est venu pour vaincre pour nous, mes amis. Il a vaincu pour toi, il veut te donner la vie éternelle, une espérance éternelle, le royaume des cieux. Car sur la terre, tout n'est que vanité, tout n'est que pour un temps sur la terre, il te propose son royaume. Il ne te force pas, il te tend la main. Ouvre simplement ton cœur, parce que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver par grâce. On ne mérite pas d'être sauvés, parce que nous sommes méchants, nous sommes mauvais, mais nous sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi sa parole dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc il va te répondre, il est plus réel que tu le crois mon ami. Ton Créateur t'aime, il veut te sauver, il est venu pour nous réconcilier avec lui. Il s'appelle Jésus. Jésus veut dire « Yahvé sauve ». Yahvé est salut. Jésus est le salut de l'humanité. Ne rate pas le ciel, ne rate pas le paradis. Mes amis, il a une espérance pour toi. Il t'aime. Il t'appelle son fils. Il t'appelle sa fille. Oh oui, tu es sa princesse. Tu es son prince. Il t'aime. Il veut t'envelopper de son amour, t'envelopper de sa joie, t'envelopper de sa paix. Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui sauve. Alléluia. Alléluia.